Le cauchemar absolu, vieillir de 60 ans en une seconde. Ça c'est ma chanson favorite. Ouais, moi aussi, ouais. Y'a rien qui m'intéresse, y'a rien qui m'intéresse. Ouais, c'est super ça. Ouais, j'ai le CD chez moi. Y'a rien qui m'intéresse, y'a rien qui m'intéresse. Il paraît qu'ils vont en enregistrer un autre là. Et qu'est-ce que c'est que cette musique? Et qu'est-ce qui vient d'arriver à ton visage? Et qu'est-ce que c'est que ce truc ringard, subitement? Et qu'est-ce qui vient d'arriver à ta voix? Hein? Mais qu'est-ce qui vient de t'arriver? On dirait que je suis vieux! C'est incroyable, t'as le cou tout plissé! Mon cou est plissé? Ouais, ton cou est vieux! Ça veut dire que j'ai pris un coup de vieux! Attends, je vais éteindre ce truc. Mais qu'est-ce que... C'est pas normal, ça, mec! On dirait que j'ai vieilli de 60 ans en un instant! Mais c'est incroyable ce qui t'arrive! Oh merde! D'ailleurs, bon anniversaire en retard pour toutes ces 60 années. Oh ta gueule, hein! Quel mystère, quand même! Je vais crever bientôt, c'est ça que ça veut dire? Écoute, avant de dire ça, attends de voir un médecin. J'en vois un de l'autre côté de la rue! Voilà, maintenant tu peux le dire. Mais enfin, je vais pas rester comme ça, quand même! Tu veux que je t'aide à t'asseoir? Je te rappelle que j'ai 17 ans, crétin! Bon, ça va. Ah, oh, quel caractère, va te faire foutre. Voilà. Je voulais que t'aider, moi. Un peu de respect quand même pour une personne de 77 ans. Il faudrait aller dans une clinique. Mais regarde-moi toutes ces rides. Bon, t'as changé, y a pas d'erreur. Hein. Des rides à 17 ans. C'est peut-être juste temporaire. Quoi? C'est peut-être des éphémères rides. Je peux pas rire, j'ai mal aux os. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Ben, c'est peut-être une cellule. Hein? Je sais pas, moi. Quoi? Une cellule qui. Une cellule? Ben, une cellule. Une cellule qui change tout le système. Une cellule. Quelle cellule peut bien avoir autant d'impact? Ben, y'a cellule. Y'a cellule Dion. Oui, mais ça, c'est une chanteuse. Ah, c'est vrai. J'ai d'ailleurs maintenant l'âge de l'aimer. Bon, tu vois, un avantage. Oh, j'ai plus les mêmes réflexes, on dirait. C'est vrai? Je sais pas si je vais encore pouvoir jouer de ma guitare électrique. Ben, tiens, essaie-la. Ah, oh merde. Attends. Vas-y. Oh là là, je crois que t'as perdu le style. Ouais. Écoute, mon vieux. M'appelle pas comme ça. D'accord, on devrait aller dans une clinique. Allô? Bonjour, puis-je parler à Mathieu? Oui, c'est moi, Claudine. Pardon? Non, il est sorti. Comment? Il avait dit qu'il m'attendrait. Il va rentrer dans non pas longtemps. Il devait être là pour mon appel. Oui, oui, il le sait. Oui, il va vraiment pas très fiable, hein. Il va vous rappeler dès qu'il rentrera. Il vous embrasse très fort et ne vous inquiétez pas, sa chérie. Mais qui? Hein? Son petit canard en sucre. Mais qui est là? Tenez, il vous fait un gros bisou, là. Bon. Ben, je me conseille de rajeunir au plus vite, sinon ça va mal tourner. Il faut que t'ailles voir un docteur, Mathieu. Ouais, t'as raison. Je saute sur mon VTT et... Eh, oh, doucement. Pardon, je veux dire, j'enfile une petite laine, je descends les marches une et une en me tenant à la rampe et j'attends le bus d'un air nostalgique. Voilà qui est mieux. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.